Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble les moules de la boutique Edbid. Donc je vous mets le lien en barre d'infos ainsi que le code promo. Je me sers de la résine époxy, donc de la marque Résine Pro. Donc vous la trouvez, elle, sur Scrap Colors. Vous avez le lien en barre d'infos de toute façon. Donc là, je vais mélanger 100 g de résine A avec 60 g de catalyseur, c'est le B. Voilà, pour les dosages, fiez-vous bien à ce qui a marqué sur votre résine, puisque chaque marque et chaque résine a ses proportions, il faut bien les respecter. Je rappelle aussi au passage qu'on travaille toujours la résine avec des gants et un masque qui protège les voies respiratoires, pas juste un simple masque en papier. Voilà, et normalement il faudrait des lunettes avec, voilà, des lunettes de protection. Bref, voilà, la sécurité est importante pour la résine, puisque je vous rappelle que on mélange deux produits et qu'il y a un effet chimique qui se produit. Donc vraiment, pour moi c'est important de vous le rappeler. Voilà, donc là je mélange le A et le B et on va mélanger pendant bien 5-6 minutes. Donc on y va, on mélange. Donc là, j'ai bien mélangé. Alors là, c'est en accéléré et j'ai un peu coupé hein, pour que ce soit moins long. Donc je mélange un dernier petit coup, puisque vaut mieux mélanger un peu trop que pas assez. Voilà, et je vais venir dispatcher un petit peu ma résine dans plusieurs petits gobelets pour faire mes mélanges de couleurs. Donc là, je vais prendre des feuilles argentées. Donc celles-là me viennent de chez Action. Donc on a mis un petit peu. Bon là ça fait des gros paquets, par contre ce pot était pas terrible, ils étaient tout collés, mais bon, pour le prix c'est plus que correct quand même. Donc voilà, là je vais mélanger de la poudre métallique noire, de la poudre métallique gris et du noir, c'est de la pâte colorante aussi. Voilà, donc je viens faire mes petits mélanges. Donc le noir, le gris, et puis on mélange tout ça jusqu'à ce qu'on ait une couleur et ou des effets comme on a envie. Thank you.
Donc là, nous sommes le lendemain matin, donc ça fait 24 heures que j'ai coulé la résine. Et là, on va démouler. Et comme vous voyez, ben, ça se démoule tout seul. Donc franchement, c'est top. Regardez la brillance de la résine. Moi, j'aime beaucoup. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour finir, à part couper les bords. Voilà, juste... pour pas se couper, moi je vais le faire au cutter à l'ébavureur. Voilà comment ça s'appelle exactement. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos. Il vient de chez Amazon et ça, je trouve ça très bien, juste pour enlever le petit côté coupant juste au bord. Voilà, c'est plus pratique avec un cutter, moi je trouve. Maintenant, voilà, on peut le faire avec un cutter, ou alors on peut poncer les bords, mais après il faut revernir par-dessus. Enfin bon, là c'est super pratique. Voilà. Alors, personnellement, je suis agréablement surprise par le résultat. Regardez la brillance. J'aime beaucoup ces moules. Moi, je recommande ces moules de la boutique Elbide. Donc, je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique ainsi que ceux qui m'ont gentiment envoyé, donc les liens des produits. Vous avez aussi le code promo en barre d'infos avec le lien. Donc, si vous devez commander, n'hésitez pas à vous en servir. Il n'y a pas de petites économies. Et franchement, je trouve que c'est top. Voilà, c'est... Moi, je valide, je m'amuse bien. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je valide mon premier test. En même temps, je vous ai fait... parce qu'il y avait deux moules, en fait, dans le lot. Donc, du coup, j'en ai fait un autre, dans un autre style, un peu steampunk. Donc, je ferai une vidéo à part, puisque, voilà, c'est mieux de faire avec deux styles séparément. Donc, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous donnera des idées et vous donnera envie de tester. Franchement, moi, j'aime énormément la résine époxy. Je m'éclate et voilà quoi, c'est que du bonheur. Ben, écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à très vite pour de prochaines vidéos, sûrement à demain. Bye bye!